Quand je vois ton visage, les pierres tournent et volent. Tu m'apparais et la pensée cessant. Je perds ma place. L'eau coule en perles, le feu crépite sans nuire. En ta présence s'en va l'envie de ce que je pense désirer. Trois lampes pantelantes qui luisent. Au cœur de ta face, les manuscrits anciens paraissent miroirs rouillés. Tu respires, et de formes nouvelles jaillissent, et l'air du refrain d'un entrain, aussi enclin que le printemps, se meut comme un immense wagon roule doucement. De nous, certains avancent en trébuchant. Ce jour, comme tous les autres, nous émergeons vides et apeurés. Trêve de lecture et d'études, joue de la cymbale. Que la beauté volupté soit de nos actes habités. Il est mille et une manières folles de rendre grâce et baiser le sol. Au-delà des schémas manichéens existe un terrain. Je t'y rencontrerai quand l'âme s'étend sur l'herbe. Le monde devient trop plein pour être plein. L'idée, la langue, le chacun, plus rien n'a de sens. Le vent de l'aube a des secrets à te partager. Ne retourne pas t'allonger. Tu dois t'enquérir de ce qui t'importe. Ne retourne pas t'allonger. Des gens vont et viennent à travers la porte d'où les deux mondes se tiennent. La porte est ronde et large, ne retourne pas t'allonger, je veux t'embrasser. Le prix du baiser est ta vie. Mon aimé court vers mon vivre en criant, comme tu marchandes. Embrasse-moi. Lumière divine, pleine de particules dansantes, et toi, grand, rond, grondant, nos âmes dansent avec toi, sans pied, elles dansent, les vois-tu quand je te murmure à l'oreille Ils spéculent sur ta nature, spirituelle ou sensuelle. Ils spéculent sur Salomon et son harem. Dans le corps du monde, dit-on, une âme habite. Et c'est toi. Certaines voix, dans chacun, ne peuvent être ouïes par aucun. Viens à la prairie au printemps, on y trouve paix et vin. Nymphes cachées dans les orchidées. Si tu ne viens pas, Rien de tout n'a d'importance. Si tu ne viens pas, rien de tout ça n'importe. Bonsoir, vous écoutez Radio Campus 92.1 sur Bruxelles et en streaming sur radiocampus.be. Je suis votre hôte Benoît Muche pour ce troisième épisode de l'émission Écho dans la nuit. Une nouvelle semaine commence, un nouveau mois. Merci de les commencer avec moi. Je vous invite à suivre l'émission sur la page Facebook que vous pouvez accéder en tapant en recherche de Facebook Echo dans la nuit, donc Echo au pluriel dans la nuit, ou vous retrouvez le lien via le site de radiocampus.be dans les nouveautés. Avant, c'est un... Production musicale. J'ai interprété un texte de Rumi, un poète mystique persan du XIIIe siècle, intitulé Citation numéro 4255. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme référence. À présent, je vais enchaîner avec la lecture du chapitre premier de zarathustra de Nietzsche, intitulé Un nouveau prophète. 1. Pourquoi Zarathustra parle ainsi Le prologue de Zarathustra. Lorsque Zarathustra eut trente ans, il quitta son pays et le lac de son pays et s'en alla dans la montagne. Là, il profita de son esprit et de sa solitude et ne s'en lassa pas pendant dix ans. Mais à la fin, son cœur se transforma et un matin, il se leva avec l'aurore s'avança face au soleil et lui parla ainsi. Grand astre, que serait ton bonheur si tu n'avais pas ceux que tu éclaires Pendant dix ans tu es monté ici jusqu'à ma caverne. Tu en aurais eu assez de donner ta lumière et de décrire cette carrière si nous n'avions été là, moi-même, mon aigle et mon serpent. Mais chaque matin nous t'avons attendu. Nous t'avons déchargé de ton trop-plein, et pour celui-ci, nous t'avons béni. Vois, je suis saturé de ma sagesse, telle l'abeille qui a amassé trop de miel. J'ai besoin de mains qui se tendent. Je voudrais offrir et partager jusqu'à ce que les sages parmi les hommes se réjouissent à nouveau de leur folie, et les pauvres à nouveau de leur richesse. Il me faut donc descendre dans les profondeurs. Comme tu le fais le soir, lorsque tu vas derrière la mer et que tu apportes ta lumière au monde inférieur, astre surabondant. Il me faut, comme toi, décliner pour parler comme les hommes chez qui je veux descendre. Aussi bénis moi, œil serein, qui peut voir sans jalousie un excès de bonheur. Bénis cette coupe qui veut déborder au point qu'une eau dorée s'en échappe et porte partout le reflet de ta jouissance. Vois, cette coupe veut être à nouveau vide et Zarathustra veut à nouveau se faire homme. Ainsi commença le déclin de Zarathustra. Zarathustra descendait seul de la montagne et ne rencontrait personne. Mais lorsqu'il entra dans les forêts, il se trouva soudain face à un vieillard qui avait quitté sa sainte chaumière à la recherche de racines dans la forêt. Le vieillard adressa ses paroles à Zarathustra. Ce voyageur n'est pas inconnu. Voilà bien des années qu'il est passé par ici. Il s'appelait Zarathustra, mais il est transformé. À cette époque, tu portais tes cendres vers la montagne. Veux-tu aujourd'hui porter ton feu dans les vallées Ne crains-tu pas le châtiment réservé à l'incendiaire Oui, je reconnais Zarathustra. Limpide est son œil et sa bouche ne recèle aucun dégoût. Ne s'en vient-il pas comme un danseur Zarathustra s'est transformé. Zarathustra s'est fait enfant. Zarathustra est un homme en éveil. Que cherches-tu maintenant chez ceux qui dorment Tu vivais dans la solitude comme dans la mer, et cette mer te portait. Malheur, tu veux accoster Malheur, tu veux à nouveau traîner toi-même ton corps Zarathustra répondit, J'aime les hommes. Pourquoi selon toi, dit le saint, suis-je allé dans la forêt et dans le désert Sinon, parce que j'aimais trop les hommes. Maintenant, j'aime Dieu. Je n'aime pas les hommes. Je trouve l'homme une chose trop imparfaite. L'amour pour les hommes me ferait périr. Zarathustra répondit. Qu'ai-je parlé d'amour En réalité, j'apporte aux hommes un présent. Ne leur donne rien, dit le saint. Décharge-les plutôt de quelque chose et porte-la avec eux. C'est ce qui sera le meilleur pour eux du moment que tu y trouves ton compte. Si tu tiens à leur faire un don, ne leur donne rien qu'une aumône, et encore, laisse-les la mendier. Non, répondit Zarathustra, je ne leur ferai pas l'aumône. Je ne suis pas assez pauvre pour cela. Le saint rit de Zarathustra et parla ainsi. Alors, veille bien, à ce qu'ils acceptent tes trésors. Ils se méfient des ermites, ils ne veulent pas croire que nous venons en donateurs. Nos pas résonnent trop solitaires pour eux dans les ruelles, tout de même que s'ils entendent de leur lit la nuit marcher un homme, longtemps avant le lever du soleil, alors ils se demandent sans doute, où peut bien aller ce voleur ne va pas chez les hommes et reste dans la forêt. Va plutôt chez les bêtes. Pourquoi ne veux-tu pas être ce que je suis, un ours parmi les ours, un oiseau parmi les oiseaux Et que fait le saint dans la forêt demanda Zarathustra. Le saint répondit, Je compose des chants et je les chante. Et lorsque je compose des chants, je ris, je pleure et je grogne. C'est ainsi que je loue Dieu. En chantant, pleurant, riant et grognant, je loue le Dieu qui est mon Dieu. À propos, que nous apportes-tu comme présent Sur ces paroles, Zarathustra salua le saint en lui disant Qu'aurais-je à vous donner Mais laissez-moi partir bien vite, afin que je ne vous prenne rien. C'est ainsi qu'ils se séparèrent, le vieillard et l'homme, en riant comme rient deux jeunes garçons. Mais lorsque Zarathustra fut seul, il parla ainsi à son cœur. Est-ce possible, ce saint vieillard dans sa forêt n'a rien su encore du fait que Dieu est mort Lorsque Zarathustra arrive dans la ville voisine, en lisière des forêts, il trouva là une grande foule rassemblée sur la place du marché, car il avait été promis que l'on allait voir un funambule. Iserathustra s'adressa ainsi à la foule. Je vous enseigne le surhomme. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter Tous les êtres, jusqu'ici, ont créé au-delà d'eux-mêmes quelque chose de supérieur à eux. Et vous voudriez être le reflux de ce grand flux et vous préféreriez revenir à la bête plutôt que de surmonter l'homme Qu'est-ce que le singe pour l'homme Un objet de risée ou une honte cuisante. Et c'est justement cela que l'homme doit être pour le surhomme un objet de risée ou une honte cuisante. Vous avez fait le chemin du ver de terre à l'homme. Et il y a. Encore beaucoup du ver de terre en vous. Jadis, vous étiez singe, et encore maintenant l'homme est plus singe que n'importe quel singe. Mais parmi vous, le plus sage n'est qu'un conflit et un hybride de plantes et de spectres. Mais vous ai-je ordonné de devenir spectre ou plante Voyez, je vous enseigne le surhomme. Le surhomme est le sens de la terre. Que votre volonté dise que le surhomme soit le sens de la terre. Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espérance supraterrestre. Ce sont des empoisonneurs, qu'ils le sachent ou non. Ce sont des gens qui méprisent la vie. Ce sont des agonisants, eux-mêmes intoxiqués, dont la terre est lasse. Qu'ils disparaissent donc. Jadis, l'outrage envers Dieu était l'outrage le plus grand, mais Dieu est mort, et avec lui sont morts aussi ses outrageurs. Faire outrage à la terre est maintenant ce qu'il y a de plus redoutable, comme d'accorder plus d'attention aux entrailles de l'insondable, jusqu'au sens de la terre. Jadis, l'âme considérait le corps avec mépris, et en ce temps-là, ce mépris était ce qu'il y avait de plus haut. Elle le voulait maigre affreux, affamé. Elle pensait ainsi lui échapper, ainsi qu'à la terre. Oh, cette âme était elle-même encore maigre, affreuse et affamée, et la cruauté faisait toute sa volupté. Mais vous-même, mes frères, dites-moi, qu'est-ce que votre corps révèle sur votre âme Votre âme n'est-elle pas pauvreté, saleté, et piteux bien-être En vérité, c'est un fleuve sale que l'homme. Il n'y a qu'une mer pour pouvoir absorber sans se souiller un fleuve sale. Voyez, je vous enseigne le surhomme. C'est lui cette mer dans laquelle votre grand mépris peut se perdre. Quelle est la plus grande expérience que vous pourriez vivre C'est l'heure du grand mépris. L'heure à laquelle votre bonheur, pour vous aussi, devient nausée et pareillement votre raison et votre vertu. L'heure vous dites, mon bonheur, mais qu'est-ce Mais qu'est-ce en définitive Il est pauvreté, saleté et piteux bien-être. Or, mon bonheur devrait être la justification même de mon existence. L'heure vous dites, ma raison. Mais qu'est-ce en définitive Aspire-t-elle au savoir, comme le lion convoite sa nourriture Elle est pauvreté, saleté et piteux bien-être. Leur vous dites ma vertu. Mais qu'est-ce en définitive Elle ne m'a pas encore rendu furieux. Comme je suis lassé de mon bien et de mon mal, il n'y a là que pauvreté, saleté et piteux bien-être. Leur vous dites ma justice. Mais qu'est-ce en définitive Je ne vois pas que je sois charbon ardent. Or le juste est charbon ardent. L'heure vous dites ma compassion. Mais qu'est-ce en définitive La compassion n'est-elle pas la croix où fut cloué celui qui aime les hommes Or ma compassion n'est pas crucifiement. Avez-vous déjà parlé ainsi Avez-vous déjà crié ainsi ah! Que ne vous ai-je entendu crier ainsi? Ce n'est pas votre péché, c'est votre mesure qui en appelle au ciel. C'est votre avarice elle-même qui, dans le péché, en appelle au ciel. Mais où est donc l'éclair qui vous lécherait de sa langue? Où est la folie qu'il faudrait vous inoculer? Voyez, je vous enseigne le surhomme. C'est lui cet éclair, c'est lui cette folie. Lorsque Zarathustra eut ainsi parlé, quelqu'un de la foule s'écria ⁇ Nous avons assez entendu parler ce funambule, qu'on nous le montre à présent ⁇ Et toute la foule rit de Zarathustra. Quant au funambule, qui croyait que ces paroles s'adressaient à lui, il se mit à l'ouvrage. Mais Zarathustra regardait la foule et s'étonnait. Alors il parla ainsi. L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhomme, une corde au-dessus de l'abîme. Dangereux le franchissement, dangereux le parcours, dangereux le regard en arrière, dangereux le frisson et l'arrêt. Ce qui est grand chez l'homme, c'est d'être un pont et non un but. Ce que l'on peut aimer dans l'homme, c'est qu'il est qu à la fois franchissement et déclin. J'aime ceux qui ne savent vivre qu'en déclinant, car ils sont les franchisseurs. J'aime ceux qui méprisent grandement, car ils vénèrent grandement, et sont des flèches que lance le désir de l'autre rive. J'aime ceux qui ne sont pas réduits à chercher au-delà des étoiles une raison de décliner et d'être offrande mais qui, au contraire, se sacrifie à la terre pour qu'elle devienne un jour la terre du surhomme. J'aime celui qui vit pour connaître, et qui veut connaître pour qu'un jour vive le surhomme, et de la sorte veut son déclin. J'aime celui qui œuvre et invente pour construire au surhomme sa maison, et lui préparer la terre, les bêtes et les plantes, car de la sorte il veut son déclin. J'aime celui qui aime sa vertu, car la vertu est volonté de déclin et flèche du désir. J'aime celui qui ne garde pas pour lui-même une seule goutte de son esprit, mais qui veut être tout entier l'esprit de sa vertu. De la sorte, il chemine en tant qu'esprit sur le pont. J'aime celui qui fait de sa vertu son penchant et sa fatalité. De la sorte, il veut... Au nom de sa vertu, vivre encore et ne plus vivre. J'aime celui qui ne veut pas avoir trop de vertu. Une vertu est plus vertu que deux, car elle est le nœud où s'accroche la fatalité. J'aime celui dont l'âme se prodigue, qui, se faisant, ne veut pas de gratitude, il ne s'acquitte pas d'une dette, car il donne toujours. Il ne veut pas se conserver. J'aime celui qui a honte lorsque le dé tombe à son avantage et qui demande alors, suis-je donc un tricheur Car c'est à sa perte qu'il veut aller. J'aime celui qui prend les devants de ses actes par des paroles d'or et qui tient toujours encore plus qu'il ne promet, car il veut son déclin. J'aime celui qui justifie ceux qui seront et qui rachète ceux qui furent, car il veut périr par ceux qui sont. J'aime celui qui châtie son Dieu, parce qu'il aime son Dieu, car il ne peut que périr par la colère de son Dieu. J'aime celui qui, même blessé, a l'âme profonde, et qu'un événement mineur est susceptible de faire périr. Ainsi franchit-il volontiers le pont. J'aime celui dont l'âme déborde au point qu'il perd la notion de lui-même et que toute chose trouve place en lui. Ainsi, toute chose devienne son déclin. J'aime celui qui est d'esprit libre et de cœur libre. Ainsi, sa tête n'est qu'entraille pour son cœur, mais son cœur le pousse au déclin. J'aime tous ceux qui sont comme de pesantes gouttes tombant une à une du sombre nuage suspendu au-dessus des hommes. Ils annoncent que l'éclair vient et ils périssent en annonciateurs. Voyez, je suis un annonciateur de l'éclair et une goutte pesante de cette nuée, mais cet éclair a nom surhomme. Lorsque Zarathustra eut prononcé ces paroles, il considéra de nouveau la foule et garda le silence. Les voilà devant moi, dit-il à son cœur, les voilà qui rient. Ils ne me comprennent pas. Je ne suis pas la bouche qui convient à ces oreilles. Faut-il commencer par crever les oreilles, par leur crever les oreilles pour qu'ils apprennent à entendre avec les yeux faut-il crépiter comme les timbales et les prêcheurs de carême Ou bien ne croient-ils qu'en celui qui bégait Ils ont une chose dont ils sont fiers. Comment l'appellent-ils donc cette chose qui les rend fiers Ces cultures qu'ils appellent cela, c'est avec cela qu'ils se distinguent des chevriers. C'est pour cela qu'ils n'aiment pas entendre le mot mépris à leur encontre. Ainsi donc, je veux m'adresser à leur fierté. Ainsi je veux parler de ce qui est le plus méprisable. Mais voilà, c'est leur dernier homme. Et ainsi parla Zarathustra à la foule. Le temps est venu pour l'homme de se fixer son but. Le temps est venu pour l'homme de mettre en terre le germe de son espérance la plus haute. Son sol est encore assez riche pour cela, mais un jour ce sol sera pauvre et dévitalisé, et aucun grand arbre ne pourra plus y pousser. Malheur. Voici venir le temps où l'homme ne lancera plus la flèche de son désir par-delà l'homme. Le temps où la corde de son arc aura désappris à vibrer, je vous le dis. Il faut encore avoir du chaos en soi pour pouvoir engendrer une étoile dansante. Je vous le dis, vous avez encore du chaos en vous. Malheur, voici venir le temps où l'homme ne pourra plus mettre au monde d'étoiles. Malheur, voici venir le temps. Du plus méprisable des hommes, celui qui n'est même plus capable de se mépriser lui-même. Voyez, je vous montre le dernier homme. Qu'est-ce que l'amour Qu'est-ce que la création Qu'est-ce que le désir Qu'est-ce qu'une étoile Ainsi interroge le dernier homme avec un clin d'œil. Voici que la terre s'est retrécie et que sur elle sautille le dernier homme qui rapetisse tout. Son espèce est indestructible, comme celle du puceron. C'est le dernier homme qui vit le plus vieux. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes avec un clin d'œil. Ils ont abandonné les contrées où il était dur de vivre, car on a besoin de chaleur. On aime encore son voisin, et on se frotte à lui, car on a besoin de chaleur. Tomber malade, éprouver de la méfiance, c'est pour eux péché. On avance à pas compter. Fou celui qui trébuche encore sur les pierres ou sur les hommes. Un peu de poison, de temps à autre, cela donne des rêves agréables. Et pour finir, beaucoup de poison pour mourir agréablement. On travaille encore, car le travail est un divertissement. Mais on fait attention que ce divertissement ne nous fatigue pas. On ne devient plus ni pauvre ni riche. L'un et l'autre sont trop pénibles. Qui veut encore gouverner Qui veut encore obéir L'un et l'autre sont trop fatigants. Pas de pasteur, un seul troupeau. Tout le monde veut la même chose, tous sont égaux. Celui qui ressent les choses autrement va de lui-même à l'asile. Jadis, le monde entier était fou, disent les plus malins avec un clin d'œil. On est avisé, on sait tout ce qui s'est passé. Ainsi, on n'en finit pas de railler. Il arrive encore qu'on se chamaille, mais on se réconcilie bientôt. Sinon, cela vous gâte l'estomac. On a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit, mais on vénère la santé. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes avec un clin d'œil. Ici prit fin le premier discours de Zarathustra, que l'on nomme aussi le prologue, car les cris de liesse de la foule l'interrompirent alors. Donne-nous ce dernier homme, Zarathustra. Ainsi criait-il, fais de nous ces derniers hommes, le surhomme, nous t'en faisons cadeau. Et la foule entière jubilait et claquait de la langue. Mais Zarathustra fut pris de tristesse et dit à son cœur, Ils ne me comprennent pas. Je ne suis pas la bouche qui convient à ses oreilles. Sans doute, Ai-je trop longtemps vécu dans la montagne, trop écouté les ruisseaux et les arbres Maintenant, je leur parle, comme des chevriers. Mon âme est sereine et claire comme la montagne le matin. Mais ils me tiennent pour un sans cœur, pour un persifleur aux épouvantables railleries. Et maintenant, ils me regardent en riant. Et en riant, ils me haïssent encore. Il y a de la glace dans leur rire. Mais il se passa alors quelque chose qui rendit toute bouche muette et tout œil immobile. En effet, entre-temps, le funambule avait commencé son travail. Il était sorti par une petite porte. Il marchait sur la corde qui était tendue entre deux tours, et de la sorte, suspendu au-dessus de la place du marché et de la foule. Il était à l'exacte moitié de son parcours quand la porte s'ouvrit à nouveau, et quand surgit un compère tout bariolé, semblable à un bouffon, qui suivit le premier à grands pas. Alors avance, estropié il de sa voix terrible. Avance, fainéant, tripoteur, blanc-bec. Que je ne te chatouille pas de mon talon. Que fabriques-tu ici entre les tours C'est dans la tour qu'est ta place, on devrait t'y enfermer. Tu bouches le chemin à un meilleur que toi. À chaque mot, il s'approchait toujours plus près. Lorsqu'il ne fut plus qu'à un pas de lui, se produisit cette chose terrible qui rendit toute bouche muette. Et tout œil immobile. Il poussa un hurlement comme un diable et bondit par-dessus celui qui était sur son chemin. Or, ce dernier, en voyant son rival l'emporter, perdit la tête et la corde. Il jeta son balancier et, plus rapide que celui-ci, tourbillon de bras et de jambes plongea dans le vide. La place du marché et la foule ressemblèrent à la mer quand la tempête s'abat sur elle. On s'égailla en se bousculant, surtout à l'endroit où le corps devait s'écraser. Zarathustra resta immobile. Le corps tomba juste à côté de lui, mal en point et rompu, mais encore vivant. Au bout d'un moment, l'homme fracassé reprit connaissance et vit Zarathustra s'agenouiller à son côté. Que fais-tu là dit-il enfin. Je savais depuis longtemps que le diable me ferait un croche-pied. Maintenant, il me traîne en enfer. Voudrais-tu l'en empêcher Sur mon honneur, ami, répondit Zarathustra. Ce dont tu parles n'existe pas. Il n'y a ni diable, ni enfer. Ton âme mourra encore plus vite que ton corps. Ne crains plus rien à présent. L'homme leva les yeux d'un air méfiant. Si tu dis vrai, dit il alors, je ne perds donc rien en perdant la vie, et je ne suis guère plus qu'une bête à laquelle on a appris à danser à force de coups et de maigres lipées. Mais non, dit Zarathustra, tu as fait du danger ton métier. Il n'y a là rien de méprisable. Maintenant c'est ton métier qui te fait périr. Pour cela je veux t'ensevelir de mes propres mains. Après ces paroles de le moribond ne répondit plus. Il remua seulement la main, comme s'il cherchait la main de Zarathustra, pour le remercier. Cependant, le soir était venu et la place du marché s'effaçait dans l'obscurité. Alors la foule se dispersa, car même la curiosité et l'effroi finissent par s'émousser. Quant à Zarathustra, assis sur le sol à côté du mort, il était plongé dans ses pensées et De la sorte oublieux du temps qui passait, mais finalement ce fut la nuit et un vent froid souffla sur le solitaire. Alors Zarathustra se leva et dit à son cœur En vérité, c'est une belle pêche que fit aujourd'hui Zarathustra. Il n'a pas attrapé un homme, mais quand même un cadavre. Angoissante est l'existence humaine, et jusqu'ici encore dénuée de sens, un bouffon peut lui être fatal. Je veux enseigner aux hommes le sens de leur être, à savoir le surhomme, l'éclair de la sombre nuée, quel homme. Mais je suis encore loin d'eux. Et mon bon sens ne parle pas à leur sens. Pour les hommes, du fou au cadavre, j'ai fait la moitié du chemin. Sombre est la nuit, sombres sont les voix de Zarathustra. Viens, compagnon rigide et froid, je t'emporte en ce lieu où je t'ensevelirai de mes propres mains. Lorsque Zarathustra eut dit ces paroles à son cœur, il chargea le cadavre sur son dos et se mit en route. Il n'avait pas fait cent pas, qu'un homme se glissa et chuchota à son oreille. Et, figurez-vous, celui qui parlait était le Bouffon de la Tour. Pars de cette ville, ô Zarathustra, dit-il, trop de gens te haïssent ici. Les bons et les justes te haïssent. Ils t'appellent leur ennemi, et celui qui les méprise. Les fidèles de la vraie foi te haïssent. Ils t'appellent le danger pour le peuple. Ce fut ta chance qu'on ait ri de toi, et en vérité tu as parlé comme un bouffon. Ce fut ta chance que tu te sois accoquiné avec ce chien crevé, en t'abaissant ainsi. Tu t'es sauvé toi-même pour aujourd'hui, mais pars de cette ville, sinon demain je, te saute, je sauterai par-dessus toi, moi qui serai vivant, par-dessus toi qui seras mort. Sur ces mots, l'homme disparut. Saratustra, cependant, reprit sa marche à travers les sombres ruelles. À la porte de la ville, les fossoyeurs le rencontrèrent, ils approchèrent leur lumière contre son visage. Reconnurent Zarathustra et firent force plaisanterie à son sujet. Zarathustra emporte le chien crevé. À la bonne heure, Zarathustra est devenu fossoyeur. C'est que nos mains sont propres pour ce gibier. Zarathustra voudrait-il voler son morceau au diable Grand bien lui fasse. Bonne chance pour le festin. Si toutefois le diable n'est pas meilleur voleur que Zarathustra, car alors il s'empare des deux et les dévore tous les deux. Et il riaient entre eux, penchés les uns vers les autres. Zarathustra ne répondit mot et passa son chemin. Ce fut quand il eut marché deux heures le long des marais et des bois, et qu'il eut trop entendu le hurlement affamé des loups, que la faim le prit à son tour. Aussi s'arrêta-t-il devant une maison isolée, où brillait une lumière. La faim m'assaille, dit Zarathustra, comme un brigand. Dans les bois et les marais, ma faim m'assaille, ainsi que dans la nuit profonde. Ma faim a d'étranges caprices. Souvent, elle vient seulement après le repas, et aujourd'hui, elle n'est pas venue de toute la journée. Où était-elle était donc passée et en même temps, Zarathustra frappa à la porte de la maison. Parut un vieil homme. Il portait de la lumière et demanda. Qui me visite, moi et mon mauvais sommeil Un vivant et un mort, lui dit Zarathustra. Donnez-moi le boire et le manger. Je ne m'en suis pas préoccupé de tout le jour. Qui nourrit l'affamé, conforte son âme. Ainsi parle la sagesse. Le vieillard tourna les talons pour revenir bientôt et offrir à Zarathustra le pain et le vin. Ce sont de mauvais parages pour les affamés, dit-il. C'est pourquoi j'habite ici. Bêtes et humains viennent à moi, l'ermite. Mais invite aussi ton compagnon à manger et à boire. Il est plus fatigué que toi. Zarathustra répondit. Mon compagnon est mort. J'aurai du mal à l'en convaincre. Je ne veux pas le savoir, dit le vieillard grognon. Qui frappe à ma porte doit prendre ce que je lui offre. Mangez et portez-vous bien. Là-dessus, Zarathustra chemina deux nouvelles heures, se fiant à la course et à la lueur des étoiles, car il avait l'habitude des marches de nuit et aimait à regarder en face tout ce qui dort. Mais quand point à l'aube, Zarathustra se trouvait dans une profonde forêt et plus aucun passage ne s'offrait à lui. Alors il déposa le cadavre dans un tronc qui présentait un creux à hauteur d'homme, car il voulait le mettre à l'abri des loups, et il s'étendit lui-même sur le sol moussu. Aussitôt il s'endormit, le corps fatigué, mais l'âme sereine. Zarathustra dormit longtemps. Les rayons de l'aurore, comme ceux de la matinée, tombèrent sur son front. Mais finalement son œil s'ouvrit. Et s'émerveilla sur la forêt, sur le silence, et pareillement s'émerveilla sur lui-même. Puis il se dressa tout d'un coup comme un marin, qui soudain voit la terre et exulta, car il voyait, car il voyait une vérité nouvelle. Alors il parla ainsi à son cœur. Une lumière s'est faite en moi. J'ai besoin de compagnons, de compagnons vivants, non de compagnons morts et de cadavres que j'emporte avec moi ou que j'aille. Non, je veux des compagnons vivants qui me suivent ou que j'aille, parce qu'ils veulent se suivre eux-mêmes. Une lumière s'est faite en moi, que Zarathustra ne parle plus à la foule, mais à des compagnons. Zarathustra ne doit pas devenir le pasteur et le chien d'un troupeau. Séduire et soustraire bon nombre du troupeau, voilà le but de ma venue. Foule et troupeau, que tout cela gronde contre moi. Zarathustra veut que les pasteurs l'appellent brigand. J'emploie le mot pasteur, mais eux, ils se désignent comme les bons et les justes. J'emploie le mot pasteur, mais eux, ils se désignent comme les fidèles de la vraie foi. Voyez-les ces bons et ces justes. Qui haïssent-ils le plus Celui qui brise leur table de valeur, le briseur, le criminel Mais voilà ce qu'est un créateur. Voyez-les ces croyants de toutes les croyances. Qui haïssent-ils le plus Celui qui brise leur table de valeur, le briseur, le criminel. Mais voilà ce qu'est un créateur. Ce sont des compagnons que se cherche le créateur, et non des cadavres, non plus que des troupeaux ni des croyants. Ce sont des compagnons de création que cherche le créateur. Qui inscrivent de nouvelles valeurs sur de nouvelles tables. Ce sont des compagnons que se cherche le Créateur, des compagnons de moisson, car chez lui tout est mûr pour la moisson, mais il lui manque les sangs faucilles. c'est pourquoi dans sa colère il arrache les épis. Ce sont des compagnons. Que se cherche le Créateur, de ceux qui savent aiguiser leurs faucilles. On les appellera destructeurs et dédaigneux du bien et du mal. Mais ce sont les moissonneurs, ce sont ceux qui célèbrent la fête. Ce sont des compagnons de création que se cherche Zarathustra, des compagnons de moisson et de fête que se cherche Zarathustra. Quel rapport avec les troupeaux, les pasteurs et les cadavres! Et toi, mon premier compagnon, porte-toi bien. Je t'ai bien enseveli dans ton arbre creux, je t'ai bien mis à l'abri des loups, mais je te quitte, le temps est révolu. Entre deux aurores, une vérité nouvelle est venue en moi. Je ne dois être ni pasteur, ni fossoyeur. Je ne veux plus jamais parler aux foules. Pour la dernière fois, j'ai parlé à un mort. C'est le créateur, le moissonneur, celui qui célèbre la fête que je veux pour associer. Je veux leur révéler l'arc-en-ciel et tous les degrés du surhomme. Au solitaire, je veux chanter mon chant, ainsi qu'au couple de solitaires. Et qui a encore des oreilles pour l'inouïe Celui-là, je veux lui alourdir le cœur de mon bonheur. Je veux aller vers mon but, je poursuis à mon pas. Je sauterai par-dessus les hésitants et les nonchalants. Et que mon pas soit aussi leur déclin. Zarathustra avait dit ces mots à son cœur, tandis que le soleil était au midi. Alors il jeta un regard interrogateur vers les cimes, car il entendit, car il entendit au-dessus de lui le cri aigu d'un oiseau. Et voici qu'un aigle traversait les airs en décrivant de vastes cercles, tenant un serpent, non comme une proie, mais comme un ami. En effet, le serpent était enroulé autour de son cou. Ce sont mes bêtes, dit Zarathustra, et il se réjouit de tout son cœur. L'animal le plus fier sous le soleil, et l'animal le plus sagace sous le soleil, ils sont venus aux nouvelles. Elles veulent savoir si Zarathustra est toujours en vie. En vérité, suis-je toujours vivant J'ai rencontré plus de dangers parmi les hommes que parmi les bêtes. Zarathustra emprunte de dangereux chemins. Puissent mes bêtes me guider. Sur ces mots, il se souvint des paroles du saint dans la forêt. Il soupira et dit à son cœur. Puissais-je être plus sagace, puis je être foncièrement sagace comme un serpent. Mais c'est l'impossible que je demande là, car je demande ainsi à ma fierté d'accompagner toujours ma sagacité. Et si un jour ma sagacité m'abandonne, ah, elle aime de s'envoler. Puisse ma fierté alors suivre le vol de ma folie. Ainsi commença le déclin de zarathustra Voilà, c'était une version live de À ton étoile de Bertrand Cantat. Je vais à présent vous lire un poème elfique. Uh, venant du livre 2, dans le tome 1 du Seigneur des Anneaux, uh, version française du livre de poche uh, de tant de. longtemps, vu que je lu il y a un certain nombre d'années. Et donc je vais d'abord vous le lire en elphique et ensuite en français. Aïe! L'ouri la surinen, vera maldar. Ieni ior ioldar van ielimi, iro mardi, lisemiru voreva, andune pella, vardu tellum mar. Nuluini jasen tintilar ieleni. O Mario, are tari ririnen. Simani mani iolmanin, enquotuva. An sit in varda oios leso. Va fani armaret. Elen tari ortan, ar e-lie tir Ar sinda noriello, norielo, mornia. amornia. E tal-malinnar embe-met, ar is untupa, un-tupa a-sirio lial Si van na Romelo van-oa mar ne marie nai iru val e mar Nai Elia Riva, Namari et en français ça donne Ah comme l'or tombe les feuilles dans le vent, de longues années innombrables comme les ailes des arbres, les longues années ont passé, comme de rapides gorgées du doux hydromel dans les hautes salles de par-delà l'ouest sous les voûtes bleues de la Varda, où les étoiles tremblent dans le chant de sa voix sainte et royale. Qui donc à présent remplira pour moi la coupe Car maintenant, l'incitatrice Varda, la reine des étoiles, du mont toujours blanc, a élevé ses mains comme des nuages, et tous les chemins sont noyés dans une ombre profonde. Et, venue d'un pays gris, les ténèbres s'étendent, sur les vagues écumantes, et la brume couvre à jamais les joyaux de la Cala syrien. Maintenant, perdu, perdu pour ceux de l'Est, est Valimar. Adieu. Peut-être trouveras-tu Valimar. Peut-être toi la trouveras-tu. Adieu. Cette émission touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez laisser sur la page Facebook de l'émission des suggestions de textes que vous voudriez que j'interprète sur antenne, en direct, comme chaque semaine, le dimanche soir, à minuit jusqu'à 1h du lundi matin. Euh, pour accéder à la page Facebook de l'émission, la page sur Facebook l'émission, vous tapez dans le champ de recherche Facebook "Écho dans la nuit", donc Écho au pluriel dans la nuit, et vous trouvez la page ou vous pouvez la retrouver à partir du site web de Radio Campus dans la section Nouvelles. À propos de nouvelles, à partir de la semaine prochaine, donc dimanche 7 septembre. Il y aura une nouvelle série qui commence, un cycle spécial Antonin Artaud, à l'occasion de l'anniversaire d'Antonin Artaud le 4 septembre. Sur cinq semaines, euh, il y aura euh, donc en direct l'interprétation de son chef-d'œuvre euh, destiné à la radio, pour en finir avec le jugement de Dieu, que l'on peut trouver sur euh, un CD. En cinq plages, et donc chaque plage entre guillemets du CD ferait l'objet d'une interprétation un dimanche, chaque dimanche successif. Pourquoi en cinq plages Parce que si je dois interpréter les cinq plages, ne fût-ce que les plages interprétées par un, un acteur masculin, je n'aurai plus de voix à la fin de l'émission Donc il y aura une plage par émission pendant cinq semaines, et donc les plages interprétées par euh, Marie Cazares et. Euh, s'appelle déjà. Paul Thévenin seront interprétés par une euh, comédienne qui sera donc invitée, la première invitée de cette émission. Je vous laisse avec un, une chanson du groupe islandais Rós euh, dont je n'ai pas le titre, mais qui est un de leurs classiques, et je vous souhaite une bonne nuit et une excellente semaine. à bientôt.